Hey, la famille. Ah, I'm so tired, man. La vie n'est pas facile ici, hein, les gars. La vie n'est pas facile ici. Oh, c'est du désordre, hein. Donc, on ne regardez pas dans la voiture, c'est du désordre. Vous voyez, nous, les célibataires, mon frère, on n'a rien à prouver. Voilà. Bonjour, 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 chers Africains d'ici et d'ailleurs. Je suis le patriote. Herman le patriote. Le soleil me fatigue, hein, Adama. Ah, le soleil me fatigue même, ça me blesse même. Ah, attendez, il a bougé un peu. Le soleil me fatigue, il a cherché un autre coin. Un autre cocorito. Chers Africains, comment vous allez? Adama. Oh, c'est quoi ça? Ah, ok. Dites à Johnny que. On n'a pas Mercedes, oh. Nous, on n'a rien. Comme lui, la Mercedes, là. Nous, on n'a pas Mercedes. Yeah. Nous, on aime le gros engin. Hey, faut que tu es derrière, hein, ma chérie. Caméra, là, même, là, ça ne m'aide pas. Oh. Excuse-moi, ma chérie. Caméra, là, ne m'aide pas. Un jour, quand il regarde la caméra, quand là, j'ai... Voilà. Faut prendre mon parking. Comme c'est ça, tu veux prendre, là. Moi, je cherchais de l'ombre. Ah, la police, ils sont partout. Ah, les policiers, attendez, vous montrez. Et on peut connaître ma. Vous voyez, ici, au campus ici, on a chaud des policiers. Hein. Regardez. Vous voyez, non? Voilà, on a chaud des policiers. Voilà, dans le campus, hein, on a chaud des policiers. Ah, bon, vous amusez. On a. Je ne sais pas comment vous expliquer. On a police dans l'école. On a. Ça dit, c'est un coin de police même. Une maison de police même. Ça est au milieu du campus là. Voilà. Donc, ils dorment là, ils ont leur bureau là, tout et tout. Dès qu'on dit à quelque chose net, en 2 secondes, ils sont sur place. Et c'est un très bon système que les gens ont mis sur pied. J'aime ça. Donc, il a fini de faire la patrouille, il est en train de rentrer à la base, dans l'université. Hein. Ce que je vous ai montré là. C'est comme ça, les frères. C'est intéressant, hein. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Très intéressant, mon frère. Comme ça, s'il y a les terreaux, il y a quelque chose de bizarre. Hein? Le temps, ils vont quitter là-bas pour venir là. Le gars a déjà fait du mal. Attends, ils sont dans l'université là. Donc, dès qu'on les appelle là-même, là, c'est deux pas, deux ton trois mouvements, ils sont là. Armés jusqu'aux dents. Vous voyez, ils conduisent dans l'université, on dirait ici au quartier, ici à l'université comme ça, hein. Johnny, ton maudit, tu t'as montré votre université qui est longue, on dirait chose là. Tu vois, nous, on est dans l'université. Tu as vu? Dans l'université. Ah, bon, d'accord. Il y a feu, tout ça là. Moteur, tu connais l'école que moi j'ai fait. On dit de montrer baccalauréat, tu t'as fait documentaire. Quand il faut quitter là chez toi, attends, tu. Ah, oh, elle est malade. Oh, mais quelqu'un doit te conduire, hein, parce que là c'est compliqué. Hein. Voilà. Quand il s'est montré Mercedes. Toi, ta Mercedes, c'est bien en tout cas. C'est bien, nous on n'a pas Mercedes. Voilà, chers camarades, ici il y a de l'homme. C'est de l'homme que je cherchais. On est quitté dans ce qu'on appelle business area. Là, je suis vers ceux qui apprennent à faire des soignés là. Hein? Nursing. Bon, chers camarades, ici il y a de l'homme. Voilà, il y a de l'ombre même. De l'ombre, 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 l'ombre. L'ombre de. Ah, chaque. Non, chaleur de ça, non, ça a tué. Ça a tué, mais. Ah. Alors. Voilà. Chers camarades, peuple d'Afrique, comment vous allez, Herman le patriote, mais tu connais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste pour vous saluer, hein. Comme il y a une pause de 30 minutes, je n'ai pas m'ennuyer, mon frère. Et je n'ai pas envie d'aller à la maison pour revenir, c'est un peu loin. C'est un peu loin, mon cher. Kabila est devenu cher. On n'a pas là-haut. Donc, voilà.
J'ai décidé de vous parler un peu avec vous, comme ça, de tout et de rien. Donc, envoyez commentaire, moi, et parler. Vous voulez qu'on parle de quoi? Alors, quelqu'un dit, pardon, envoie-moi ton cash app en inbox. Je n'aime pas affaire d'envoyer les fleurs. Cash app. Oui, je crois que j'ai un compte cash app. Oui, j'ai l'application, mais je n'ai pas encore 7 ça. J'ai l'application, mais je n'ai pas encore 7. Merci d'abord. Merci pour la volonté de me soutenir. Merci, ça fait plaisir. Ça, c'est déjà, pour moi, c'est déjà suffisant. Même si tu m'as plus donné quelque chose, c'est déjà suffisant. Voilà. Merci beaucoup, cher camarade. Yedi, j'ai donné Johnny, tu vois. Même ici, assis dans la voiture, mais tu n'as même pas savoir à quoi tu ressembles. Peut-être si tu connais la voiture, là, tu vas trouver. Sinon, je ne peux jamais descendre pour dire, voilà ma voiture, voilà ma voiture. Voiture coûte combien? Tu ne vaux rien même, tu as fui le clash. Il y a d'autres qui disent que non, il ne va pas te donner non, c'est pourquoi il ne parle pas. Et puis, vidéo qu'il a fait là, c'est à sa grand-mère il s'est adressé. Là, si quelqu'un qui a eu le courage d'aller à l'université pour filmer depuis l'université jusqu'à sa voiture, depuis sa voiture jusqu'à l'université, il a fait documentaire. Ça veut dire qu'il n'est pas dans le trou. Il a fui le reste, le reste du clash. Voilà, il a fui. Il a dit, il a qu'à faire 50 pompes, si les garçons. Il ne peut pas faire 50 pompes. Il y a des filles que moi, ils connaissent, elles peuvent faire 50 pompes. Moi, ma chérie, même, elle a dit qu'un jour, elle a fait combien? Elle est arrivée à 32 et puis elle était trop fatiguée. Je lui ai formé, elle va atteindre 50. C'est parce qu'elle est loin, on n'est pas dans le même pays. Sinon, si elle vient, moi, là, même femme peut faire 50 devant toi. Elle a filmé quoi? Johnny, tu ne vaux rien. Et puis tu insultes Ibrahim Traoré, tu insultes Gbagbo Laurent, tu insultes tout le monde. Je suis sur toi, je ne vais pas te laisser. Si tu es quitté là, tu as laissé les gens tranquilles. Tu n'as pas dit que tu es fort. Quelqu'un qui n'a même pas connu, tu as peur de lui. Qui me connaît même sur la toile ici? C'est parce qu'il ne veut pas te donner non, il ne veut pas te répondre. Il peut pas tenir avec moi intellectuellement. Il ne peut pas même. Lui, il peut faire débat avec moi. Lui, là, il peut faire débat avec moi. Faut rien même. Et puis, regarde même les illustrations qu'il donne. Regarde les illustrations qu'il donne. Il ne donne même pas de bonnes illustrations. Il ne donne même pas de. Quand lui-même, il donne un exemple, là, on dirait que c'est un enfant qui parle. Tout ce qu'il donne comme exemple, on dirait que c'est un enfant qui parle. Vaut rien. Et puis, c'est lui qui est là, c'est lui qui parle à Ibrahim Traoré. Quand tu écoutes Ibrahim Traoré, c'est ton ami. Un homme qui parle français, il est posé. Tu l'as déjà vu lire un papier, faire un discours comme ton drama est en train de faire toujours là. Hein? Tu ne respectes pas les dignes fils d'Afrique. Tu as vendu ta dignité. Tu as vendu ton honneur. Voilà. Et tu n'es même pas digne même d'être appelé africain. Tu n'es même pas digne d'être appelé africain. Tu ne vaux rien sur tous les plans. Espèce de tunnel crânien. Tunnel crânien. Tunnel dans le crâne. On peut faire ça, Adama. On peut faire ça. Tunnel crânien. Johnny Pacheco. Tu vois, il y a des gens qui ont fait des propositions de nom et puis m'ont envoyé. Il y a un qui a dit on a qu'à t'appeler Johnny Pacheco. Mais comme moi, je n'aime pas trop attaquer les FIFA. Et ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui t'a créé coup. Tu vois, mais c'est ton intelligence que je vais attaquer. Par exemple, tu dis que ton papa, il est plus intelligent que Gbagbo Laurent, qu'il a tous les diplômes du monde. On dit non, qu'il ne veut pas te répondre, il ne veut pas te donner le nom. Vidéo qu'il a fait là, il a même dit le nom de son père. C'est pas à moi qu'il répondait. Il a dit Koukounio Bayi Luc. Ça, c'est la première fois qu'il donne le nom de son père. Koukounio Bayi Luc, en train de me répondre. Il dit son papa, il a tous les diplômes. Il a tellement eu de diplômes qu'il a fini sa vie au village. C'est ce qu'il a dit. Il a vu que la suite du clash, ce n'est pas possible. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne peut pas. Moi, j'ai déjà fait clash avec quelqu'un. Et que vous me dites, vous me dites, il a fait des clashs. Il n'a pas dit, il est fort, il n'a qu'à venir en parler. Vaut rien. Désormais, dorénavant, le deuxième décret vidéoman que nous avons, la personne qui n'a pas bac doit pas appeler quelqu'un, comment on dit ça, illettré. Voilà. Même si l'autre l'a à niveau CP1 et que toi tu as niveau je sais pas, si tu n'as pas le bac, faut jamais appeler quelqu'un illettré sur la toile parce que c'est le premier diplôme universitaire. C'est pas pour nous on appelle ça diplôme universitaire. Il y a diplôme et puis il y a diplôme universitaire, tu vois, non? Parce que quand on dit quelqu'un intellectuel là, au moins tu es arrivé devant le portail de l'université où tu as le niveau terminal, mais toi tu as BPC et puis tu parles bou, 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 tu embrouilles tout le monde. Coucou Nyo Bayi Luc. Johnny, tu
m'as dit le nom de ton père. Il s'appelle Koukounyo Bailuk. Tiens, on peut s'appeler comme ça. Koukounyo. Tu vois, non? Koukounyo Bailuk. Ça dit non seulement tu es Kou au carré. Koukou. Koukou au carré. Tu es Bailli. Tu es Bailli. Ça dit toi là. Luc là. Luck. Good luck. Good luck, ça veut dire bonne chance. Toi, dans ta destinée là, c'est Bailli qui vient d'abord. Tu vois? Et Locke là est au fond là-bas, c'est pourquoi tu as abandonné Gbagbo Laurent. Si c'était Locke qui était devant, tu allais rester avec Gbagbo. Mais comme dans ta ville, c'est Bailli qui est devant, tu as vu Locke comme ça, Gbagbo Laurent, et puis tu l'as laissé, et puis Bailli a mis barrière. Locke là est au fond là-bas, tu ne peux plus jamais voir Locke dans ta vie. Tu vois le nom de ton père? Coucou, ça veut dire tu es cou. Et embêté, cou, ça veut dire quelqu'un qui est mort. Donc tu es cou au carré, et puis tu es mort. Donc coucou, non. Bailli est venu mettre la barrière, et puis Locke, good Locke, ça y est au fond là-bas. Donc dans ta vie là, c'est fini, ta vie politique est morte. Et puis de la manière que tu es lâche comme ça là, c'est quel film qui a se couché en bas de toi-même. Je suis sûr que nos soeurs ivoiriennes là, elles vont plus accepter tes avances. Et puis je te lance des défis. Faut faire vidéo avec une fille en 2024, une fille noire, une fille africaine, une fille de Côte d'Ivoire, mais partout. Faut faire vidéo avec elle pour me prouver qu'il y a femme noire qui peut coucher à toi. Toi, femme, va t'accepter tes avances. Un lâche. Tu vois que nos filles elles sont là pour ça. La femme africaine qui va se coucher en bas de toi là, c'est parce que tu vas lui donner Jay. C'est tout. Il n'y a pas une femme qui va se coucher en bas de toi parce qu'elle est fière de toi. Parce que tout le monde africain te connaît. Les gens savent que tu es lâche. Tu es méchant. Foncièrement méchant. Tu es très mauvais même. Tu es un danger même. C'est-à-dire, tu es un danger. C'est comme un chien blessé. Un animal blessé est plus dangereux. Koukounyo Bailuk. Koukounyo Bailuk. Tu avais la chance de ta vie. Regarde. Gbagbo Laurent. Il est aimé des Ivoiriens et des Africains. Même Donald Trump connaît Gbagbo Laurent. Il a peut-être déjà entendu parler de lui. Même Joe Biden, il connaît Gbagbo Laurent. Lui, mais il n'est pas dit peut-être. Il connaît très bien Gbagbo Laurent. Tu as compris? Toi qui te connais? Toi, Johnny Koukounyo Bailuk, qui te connaît? Si ce n'est pas Facebook venu parler, et puis dit, tu as compris ou pas? André Louba, qui te connaît? Toi, qui te connaît même? Et puis qui te calcule même? Qui te calcule même? Oh! Mon frère, j'ai des belles dents. Mes dents sont propres. C'est le reflet du soleil qui fait que peut-être que tu vois ça en jaune. Sinon, mes dents sont très propres. Je pense que quand je fais direct à la maison, tout le monde voit ma gueule. Voilà. Et l'assurance que l'État paye pour moi là. Je peux aller voir dentiste quand je veux. Tu as compris ou pas? Donc lui qui dit va te brosser là. Non, je suis garé un peu d'une manière là. Donc c'est la lumière qui fait peut-être. Ben, un jour j'ai remarqué, j'allais faire direct ici. Et mes dents, quand tu regardes, t'as pensé que c'est jaune. Mes dents ne sont pas jaunes. Hein? Non. Si tu veux ce soir là, quand il est parti à la maison là, tu vas voir la différence. Pourquoi même quelqu'un va vivre aux États-Unis et tu as dents jaunes? C'est que vraiment tu es maudit. Un pays où on paye l'assurance. Donc mes dents ne sont pas jaunes, mon frère. Il n'y a même pas petit jaune dans mes dents. Voilà. Tu vois, non? Donc il faut laisser ça. J'ai dit, ton patron, là, il s'appelle Koukounyo Bailuk. Et dans sa vie, là, Bailli est venu mettre la barrière entre lui et puis la chance. Koukounyo, là, c'est le nom de son père. C'est pourquoi il porte le même nom. Donc, ça veut dire que c'est sa vie, le spermatozoïde de son père. Et dans la vie d'un être humain, il y a ce qu'on appelle la chance, l'étoile. Son étoile a été bloquée par ce qu'on appelle Bailli. Donc, il est Bailli. Donc, Luc, là, ça va au fond là-bas. Luc veut dire en anglais la chance. Bon, on dit Luc, mais c'est Locke. Hein, parce qu'il y a un cadeau. Good luck. Vous voyez, non? Donc, lui qui s'appelle Koukounyo, il est derrière ici. Bailli, il est là au milieu. Et puis, la chance est de l'autre côté. C'est Bailli là qui est en train de soutenir comme ça, là. Draman Ouattara. Et c'est fini. Vous voyez, non? Ça fait mal d'être riche et de devenir pauvre. Que d'être pauvre et de devenir riche. Tu vois, d'ici 10 ans, là. D'ici 10 ans, tu ne sais pas ce que vous pouvez devenir. C'est ça qui est le vrai point. D'ici 20 ans, 30 ans, tu ne sais pas ce que je peux devenir. Parce qu'il a choisi la bonne part déjà. Il n'y a pas Bailli dans mon nom. Moi, mon nom, il n'y a pas Bailli au milieu. Tu comprends un peu? C'est ça qu'il s'agit. Toi, peut-être que ta maman t'a élevé, tu as vécu avec tes parents. Toi, tu sais comment moi j'ai vécu? Toi, tu connais mon histoire? Quelqu'un qui dit qu'il a mangé dans la poubelle, imagine le degré de la souffrance. Tu as compris? Mais je suis à ma 7e voiture. Je n'ai jamais pris photo devant voiture pour balancer sur Internet. Ça, c'est ma 7e voiture. Tu as compris ou pas? Louba. Et puis seulement il montre voiture. Voiture est combien? Voiture coûte combien? Tout le monde a voiture. Amira Blendé, le sorcier, il a voiture. Yves Aipo a voiture. Même le Bibi.
le frapponneur, le frottomougou. C'est pas ta voiture qui fait direct. Tout le monde la voiture. Tu as déjà vu quelqu'un qui fait vidéo qui n'a pas voiture. Pourquoi c'est toi seul? Tu as déjà vu la voiture de mon petit, comment il s'appelle là? Mon petit gros là. Le gars du PPACI là, mon petit, mon bon petit. Comment il s'appelle même? Souleymane. Tu as déjà vu sa voiture? Tu penses qu'il n'a pas voiture? Tu l'as déjà. Tu l'as, avant, il faisait vidéo dans la voiture, non? Avant. Il mettait lumière. Maintenant, il a évolué un peu, il fait à la maison. Il a voiture, tout le monde a voiture. Tout le monde, voiture coûte combien? Mon frère, regarde, moi, j'ai acheté un vélo électrique. C'est 2300. C'est-à-dire 2300$. Attends, ici, là, il y a voiture 800$. C'est-à-dire mon vélo, pour faire du vélo, là, c'est 2300$. Ça fait plus d'un million. Moi, mon vélo, ça peut acheter voiture. Puisque ma première voiture coûtait 3000. Donc, 2300 et puis 3000, où est la différence? Donc, en réalité, il y a trois voitures actuellement. Il y a deux voitures, puis il y a mon vélo électrique. Et puis, il y a un autre vélo normal. Vélo normal, là-bas, ça, c'est 120$, donc c'est rien. Mais vélo électrique, là, c'est 2300$. Quand il charge, là, ça va à 60 miles avant de se décharger. C'est-à-dire, ça fait plus de 100 km. C'est-à-dire, tu pédales pas, hein, tu touches seulement, puis ça va comme moto. Voilà, 60 miles avant de se décharger. C'est comme moto même, ça y est là. Le jour où il mangeait, je prends et puis il me promène un peu. Donc tout le monde a voiture. On dit faut montrer le bac. Tu racontes ta vie. Tu vois? Et puis toute ta vie est résumée à Gbagbo. Regardez, chers camarades, allez-y sur sa page. La vidéo qu'il a faite hier pour framponner Gbagbo là, il a partagé le lien sur sa page. Il y a 25 commentaires. Tout le monde le framponne dans les commentaires, sur sa propre page. Va lire les commentaires, il va te faire pitié. Il fait pitié. C'est-à-dire lui-même quand il regarde les commentaires, c'est pourquoi il ne supprime pas. Parce que tous les commentaires sont mauvais. Donc s'il veut supprimer et pouvoir bloquer les personnes qui commentent sur sa page, il n'aura plus d'abonnés. Donc il laisse tous les commentaires parce qu'il est waro. Tout le monde le framponne. On le gifle ici. Tout le monde le gifle. Tu vois? Parce que tu es méchant. Tu as choisi la bonne part. Tu vois? Les gens te connaissent. Et les RDA, c'est parce qu'ils sont bêtes. Je ne parle pas des moutons du RDA. Je parle des instances du RDA. Toi, tu penses qu'Alassane Ouattara, il est bête pour toi te recevoir. Alassane Ouattara. S'il n'a pas reçu Blé Goudé, c'est toi, il va recevoir. Tu l'as blagué. Non, il connaît Chris Yapi. Tu penses qu'il est fou? Si toi, tu peux trahir Gbagbo Laurent, c'est que tu peux trahir même, je ne sais pas, tu peux trahir même ton anus. Si toi, tu peux trahir Gbagbo Laurent, c'est que tu peux trahir, tu peux trahir Satan. Je ne sais même pas quel exemple je vais prendre. Gbagbo Laurent, dont tu as parlé, et tu as eu nom. Gbagbo Laurent, dont tu as parlé, et puis tu as fait des vues, tu as fait des abonnés. Ce même Gbagbo là, il est parti, il est acquitté. Et c'est maintenant, toi, tu veux le faire condamner. Toi, tu es plus fort que les juges de la CPI, quelqu'un qui n'a pas bac. Toi, tu connais le niveau intellectuel des juges de la CPI, là. Toi, tu penses qu'on s'élève comme ça pour devenir juge de la Cour pénale internationale? Et ils disent que Gbagbo est acquitté. C'est pas lui qui est l'auteur des faits. Et toi, qui n'a pas le bac, crépas, tu dis que c'est lui qui a fait les faits. Tu as dit que tu allais le déconstruire en 30 secondes, non? Ton mot diaploco. Placa, double pin de canard. Johnny le tunnel. Le nom, attends de prendre un peu. Hein. Tu vas voir les autres cyberactivistes là, ils vont t'appeler comme ça bientôt. Johnny, c'est parce qu'eux, ils te regardent pas. Moi, je te donne un nom. Tu es mon frère, il n'y a pas que tu t'éteignes comme ça. Il n'y a pas que tu t'éteignes. Sinon, il y a des gens, ça les énerve quand ils parlent de toi. Ça, il y a des gens qui me regardent là. Ils sont énervés quand je parle de toi parce que je suis en train de me diminuer. Tu vois combien de fois tu es tombé? Toi le premier cyberactiviste dans ce combat là, et tu n'as même pas honte de dire que hier on a fait un combat et puis je me suis trompé. En bon, donc tu es plus intelligent que le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta, Gbagbo Laurent lui-même, Herman le Patriote, tous ceux qui parlent pour l'Afrique. Tu es plus intelligent que eux, tous ceux qu'on invite sur les plateaux télé là. Tu es plus intelligent que eux. Même le côté de la rébellion. Tu es plus intelligent que Franklin Graham ici. Tu es intelligent que qui? Et c'est toi qui m'as dit que je me suis trompé. C'est qu'on faisait, c'était pas un bon combat. C'est Dramane Ouattara qui est un autre combat. Et tu penses que les Africains vont te respecter? Tu penses que les Africains vont te prendre au sérieux? Tu as échoué. Et là où tu es arrivé là, toute ta vie, c'est la politique. C'est pourquoi c'est un métier qui est bizarre. C'est pourquoi il faut choisir la bonne part. Parce que c'est le métier quand tu prends, quand tu échoues, c'est fini, même pour t'embaucher, même c'est compliqué. Imagine que toi, on te rapatrie de la Finlande, tu rentres en Côte d'Ivoire. Quelqu'un va toi t'embaucher dans son entreprise? Une Côte d'Ivoire des Ivoiriens, pas Côte d'Ivoire des Dramanes. Côte d'Ivoire dirigée par un Ivoirien.
Côte d'Ivoire des Ivoiriens. Toi, le grand merconnier. Quelqu'un qui prend toute une équipe et puis il insulte tout le monde. Mercon, 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 Mercon. Quand ils ont répondu, tu as pris ça pour faire toller. Tu as pleuré jusqu'à fatiguer fini. Et ils t'ont plus répondu. Ils ont pris la canne. Ils t'ont lavé fini. Tu as fait vidéo jusqu'à et ils t'ont plus répondu. C'est fini. Ils sont partis à leurs occupations. Ils ont pris leur argent, leurs millions. Ils sont partis à ça. Et tu les as insultés pour rien. Et eux, ils t'ont insulté, puis ils ont été payés. Draman leur a donné l'argent. Question. Tu vois, c'est parce que je t'aime même que je te clash. Je te clash même. Ça même, c'est pas clash. Je t'interpelle. Mais c'est déjà trop tard. Ben, toi, si tu viens au PPACI, il va prendre qui même? Si tu viens au PPACI, là, tu vas te mettre derrière. Toi, tu le sais. Si tu viens au PPACI, là, tu vas te mettre derrière. Puis tu vas avoir honte. Tu auras honte même. Maudit là. Coucou, nyo, baï, Luc. Il dit qu'il faut faire 30 pompes. Tu ne peux pas. Toi, tu ne peux pas faire 30 pompes. Un homme qui est cool. Tu ne peux pas faire 30 pompes. Il faut faire 30 pompes. On va voir. Je suis avec toi. Dès que j'ai fini, j'ai un autre coup. Dès que j'ai fini vers les. Oh Dieu, j'ai fini tardivement. Il y a beaucoup de choses. Dès que j'ai fini là, quelle que soit l'heure, il y a lancé le direct. Tu as fait une vidéo. Tu dis que Babo Dora n'est pas panafricain, non? J'ai fait seulement préambule. La vidéo est là. Ce qu'elle fait là, c'est préambule. On va rentrer dans le fond. On va aller en profondeur. Voilà. On va aller en profondeur et je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que le panafricanisme. Tu as échoué. Hi? Lui là, il va où? Ah, qui? C'est gbé d'ordinateur. Hein? On a, ils veulent changer les ordinateurs d'une classe là. Il y a un gros camion, il voit ici là. C'est gbé d'ordinateur. Hein? Voilà, la chaleur a diminué, on peut fermer un peu les trucs. Coucou, nyo, baï, Luc. Mon frère, bon, attends, lis un peu le commentaire. Mon frère, un homme, lorsqu'il a perdu, lorsqu'il a tout perdu, c'est sa dignité qui lui reste. Mais si! Mais si! Un homme peut perdre tout, mais sa dignité, c'est ça qui reste. Toi, tu as perdu la dignité. Tu as perdu la dignité. C'est ça. Un homme peut tout perdre, mon frère, mais la dignité. Non, faut pas faire ça. Tu as perdu la dignité. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne, Bailly. Luc, tu n'es pas digne. Coucou, yo, Bailly Luc, alias Johnny, le tunnel. Coucou, yo, Bailly Luc, alias Johnny, le tunnel. On a fait premier round. J'ai parlé, tu as parlé, tu fuis. J'ai parlé, tu as parlé. Si tu n'as pas parlé, on va dire non, c'est à sens unique. Puisque moi-même, c'est ce qu'il a toujours dit. Il a dit, il ne faut pas me répondre. Parce que je vais faire le clash à sens unique. Je vais te framponner, puis tu la fermes. Tu es parti faire vidéo, tu m'as lancé le défi. Si au moins tu as fait vidéo de 2 minutes pour préciser quelque chose, on va dire, bon, c'est que si il voulait préciser quelque chose. Mais tu as fait 20 et quelques minutes. Tu as fait pèlerinage. Tu as montré tout en fil, tout université de ta femme là. Où ta femme prend 1000 dollars pour te donner par mois là. On m'a donné certains papos sur toi. Il dit, viens, on va aller en profondeur. Voilà. Tu sais pas qu'il y a des gens même qui te détestent dans Côte d'Ivoire là. On m'a appelé pour me dire beaucoup de choses. Et puis université là, tu ne fréquentes pas là-bas. C'est ta femme qui travaille là-bas. C'est ce qu'on m'a dit. Donc tu t'en vas là-bas souvent. Là, on te connaît, tu t'en vas la rendre visite. Ta femme enseigne là-bas. Si tu veux prouver que tu travailles là-bas, là, en université là, mais il faut montrer carte. Oh. La carte étudiante, on a quitté là. C'est tellement simple. Tu montres le bâtiment, tu montres ton manteau. Moi, c'est trop facile. Moi, je peux quitter ici, aller à Los Angeles et rentrer dans n'importe quelle université. On ne va pas me contrôler. Tu es au courant. On ne va pas me contrôler. Les universités, là, on ne contrôle pas les gens pour rentrer pour dire, hey, tu es élève, il faut prouver. Bon, tu peux rentrer, tu peux sortir. Non. Ce n'est pas un coin fermé, c'est ouvert. Tout le monde peut rentrer. C'est pourquoi chez nous, ici, ils ont mis la police. Ils ont construit un bâtiment, c'est comme un poste de police. Vous voyez comment on ne peut pas contrôler qui rentre, qui sort. Donc eux, ils sont là en permanence. Dès qu'il y a quelque chose, on les appelle, ils sont pas mon goût. C'est ça que la vérité. Elle est là, c'est à 2 heures de là où je vis. Je ne suis pas trop loin de LA, Los Angeles. Un bon matin, je vais vous démontrer. J'ai conduit, j'ai filmé, j'ai mis l'université, puis elle est rentrée, elle est sortie. On ne va pas me contrôler. N'importe quelle école, tu rentres, tu sors. Donc c'est trop facile. Et puis ta femme travaille là-bas.
Et puis qui t'a dit même que tu... Qui t'a dit même de demander? On dit qu'il faut montrer le baccalauréat de Côte d'Ivoire. Moi, c'est là que je t'attends. On ne demande même pas un diplôme de katakata. Un diplôme de conducteur de katakata. Ou bien une formation rapide de 6 mois. Non. C'est pas ce que moi je demande. Non. On est dans le pays des Blancs, mais on parle comme si on était en Côte d'Ivoire. On est d'accord? Donc tout ce qu'on fait, c'est la politique africaine et de Côte d'Ivoire. Nous, on te demande le diplôme que tu as eu en Côte d'Ivoire. Et le premier diplôme universitaire, là, c'est ça qu'on te demande. Puisque tu dis que tu es intelligent. Tu dis que Babo, il est illettré. Que c'est nous les illettrés, on les écoute. Que toi, tu es illettré. Donc on ne te demande même pas le plus grand diplôme. Ou bien un autre diplôme supérieur, comme les licences. Ou bien peut-être BTS. Puisque BTS, c'est 2 ans d'études. Si tu n'as pas doublé. 2 ans d'études après le baccalauréat. C'est comme Bac+2. C'est même pas ce qu'il t'a demandé. Il te demande le baccalauréat. Toi, tu m'as dit qu'Yves Aipo ivoirien, que Yves Aipo n'a pas tant, mais il a bac. Il a baccalauréat, ça au moins, il a ça. C'est de ça qu'il s'agit, tu n'as pas bac. Moi, j'ai bac. Toi, tu n'as pas bac. Bagbo a bac. Toi, tu n'as pas bac. Ibrahim Traoré a bac. Toi, tu n'as pas bac. Toi, tu n'as pas bac. Même Franklin Ramsey, il a bac. Toi, tu n'as pas bac. Même Guillaume Soro, le rebelle, il a bac. Toi, tu n'as pas bac. Et tu te crois important. Tu es un illettré notoire, un autodidacte. Tu fatigues les gens, là. Faut montrer bac avant de quitter ici. Tu es garçon. Ton petit frère parle sur toi. Faut fermer sa bouche. Si au moins tu n'as jamais fait clash, on va dire oui, lui là, il se respecte, il ne fait pas clash. Mais tu as fait clash avec tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tu as fait clash avec tout le monde sur la toile. Tu as fait clash avec tout le monde, tu t'es toujours fait respecter d'après les gens. Tu t'es toujours défendu. Tu as toujours montré les preuves. L'homme qui montre son compte bancaire, mais qui ne peut pas montrer son baccalauréat. Moi, je peux montrer mes diplômes, mais montrer mon compte bancaire, jamais. C'est ma nudité qui est là. Puisque c'est le compte bancaire qui nous tient, à part le Dieu, Dieu, qui tient notre source de vie, c'est l'argent qui nous tient. Si tu montes ton compte bancaire et que tu as 20 000 $, et puis tu as gueule, mais qui va te respecter? Tu ne vaux rien, tu ne pèses pas. Dans le monde où nous sommes là, on pèse les gens par rapport à ce qu'ils ont. Tu as compris ou pas? Mais toi, tu montes compte bancaire. Toi, tu montes ton compte bancaire, mais tu ne peux pas monter le baccalauréat. Tu as pris plus d'une semaine pour chercher, tu ne l'as pas trouvé. On m'a dit que tu es parti dans le tunnel. Il fait chaud, hein. On m'a dit que tu es parti dans le tunnel. Quand il t'a demandé le baccalauréat, là, tu es reparti à Abidjan. Parce que tu es parti fouiller dans le tunnel pour voir si le bac est là-bas. Le bac n'est pas là-bas. Sinon, toi, si tu avais bac, il y a longtemps, tu m'as honni. Il y a longtemps, tu as montré le baccalauréat. C'est tellement simple. Comme simplice, c'est sous. Moi, j'ai fait... Moi, je suis sûr qu'il y a le bac. Et quand je faisais le direct, c'était même pas prévu que je le montre. Mais quand je parlais, ils ont dit, bon, attends, je te montre mon bac. Je suis parti, il y a 2 croussins. Je t'ai montré le bac cartonné. Le bac certifié, sans discussion. Je t'ai donné même le nom de la dame qui a signé. Elle est dans Côte d'Ivoire, là. La dame de Draman, là. Je t'ai dit, il faut aller à la DECO, MEN. M-E-N. Il faut aller là-bas, t'as demandé. Je t'ai dit, tu n'as pas bac. Et puis tu insultes les gens qui ont bac. Oh, attends, l'école. Ah, ok, j'ai encore le temps. Coucou, yo, Bailuc. Faut laisser les gens tranquilles, frère. Vrai, il faut devenir coach. Pardon, faut aller demander à Mochi. Parce que tu as échoué en politique. Oui, mes yeux sont rouges, hein. C'est la caméra qui est comme ça, mais c'est comment? Tout est jaune, jaune sur moi, là. Les yeux sont rouges, on dirait drogué. Mes dents aussi, là. Lui qui a dit que les dents jaunes là, voilà mes dents qu'ils ont démontré. Hein. Ça la même à Johnny ne peut pas faire ça. Mais peut-être que c'est gâté, fini. Moi n'ai pas envie de quelque chose. C'est mes dents qui. Mes deux dents ici là, les dents sont grosses. Mes dents sont grosses. Ma bouche est large. Je m'en fous de ça. Mais je suis joli. Je suis joli. Quand il m'a dit quoi là, je suis joli. Et il y a un beau sourire que toi. Voilà. Il sourit bien que toi. Quand tu prends, tu es comme ça. On dirait un gangster. Regardez ces photos. Quelqu'un qui fait selfie, il peut même pas sourire. Il sait pas sourire. Moi, il y a joli sourire que toi. Quand il a fini là, il a posté une photo.
ou ici à cravate, tout et tout, joli, quoi. Et puis, c'est des souris. Il y a posté, vous allez voir. Toi, tu penses, toi, t'as souri. Toi, t'as souri. Frère. Oh, Andrés a commandé ça sur la lune Mars. Et sur la planète Mars. Regarde. Toi, vous souriez, au revoir. Un louba notoire, illettré, coucougnon, Bailly Luc. Comme moi, mon ami garçon, ne me gagne pas de la clash. Mon ami garçon, voilà un petit. Ton petit frère te malmène, tu as fui. Tu l'as répondu et tu as supprimé la vidéo. Tu es lâche. C'est ça la définition de la lâcheté. Manger son vomi. Toi, tu es lâche. Tu prêtes serment sur l'armée. Tu fuis l'armée. Tu es lâche. Tu fais un combat panafricain, un combat, tu trahis le combat, tu vas vers Draman, tu es lâche. Tu as insulté Draman jusqu'à tu as fait t-shirt. Aujourd'hui, tu le défends, tu mains ton vomi, tu es lâche. Encore d'un petit clash, tu fuis, tu es un lâche. Donc, tu es un lâche exposant 5. Lâche exposant 5. Tu as créé Jossi Gang. Tu as chassé tout le monde. Tu as laissé tomber ton propre nom. Tu parles plus de Jossi Gang. Tu es lâche. Lâche exposant 6. Tu as créé MPA. Tu n'as même pas fait un an avec ça. Aujourd'hui, mais tu ne te présentes pas à ça. Tu es lâche. Lâche exposant 7. Tu vois, ça continue. Tu es un lâche. Un lâche, c'est celui qui mange son vomi. Un garçon, quand il. Moi, il a fait vidéo, puis il a supprimé à cause de quoi? Il a fait vidéo, puis il a supprimé à cause de quoi? Même, il y a une maman ici aux États-Unis que j'avais insulté dans le temps à cause de Babo Laurent. Il n'avait pas supprimé. J'avais simplement mis ça en privé. Jusqu'à présent, j'ai la vidéo. Donc quand elle est revenue pour regarder, on dit non, cette vidéo n'est pas disponible. Pourquoi j'ai fait ça? Même jusqu'à présent, j'ai la vidéo. Hein. Elle a fait une vidéo, elle m'a répondu, elle m'a lavé. Après, elle a supprimé. Moi, j'ai téléchargé, la vidéo est encore là. Voilà. Mais j'ai mis ça en privé, j'ai changé simplement, j'ai changé la visibilité. Elle ne peut plus voir la vidéo, c'est tout. J'ai fait ça parce que ce que j'ai dit, moi-même, je n'ai pas aimé. Et on m'a donné son numéro. Elle s'appelle comment même? Oh, j'ai oublié son nom là. Comment elle s'appelle à la dame là? Il y a une dame qui est aux États-Unis ici là, qui aime parler, qui aime framponner Babo Laurent là. Dans le temps là, j'étais un peu sur Facebook même. C'est même chose comme Johnny fait là, c'est comme ça elle faisait. Elle continue toujours, mais je me suis tué, je la laisse comme ça, comme c'est une maman, c'est pas la peine. Elle continue toujours de framponner le président Babo Laurent, c'est pas ce que Babo Laurent a fait. Donc je l'avais pris dans le temps, j'étais un peu sur Facebook, tellement je l'ai framponné, après j'ai regretté. Et je lui ai demandé pardon, elle a pas me dit qu'elle a mon numéro direct. Hein. J'ai pris mon numéro direct. Pour l'appeler, elle n'a pas décroché. J'ai pris mon numéro direct pour l'écrire. Et j'ai dit, c'est moi, c'est vraiment le patriote. Et j'ai parlé. Elle a lu, c'est mu raid. Avec iPhone, tu peux savoir si la personne a lu le message. Elle a lu le message, mais elle n'a pas répondu. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et la vidéo qu'elle avait faite pour me répondre, elle a supprimé. Voilà. Sinon, moi, je suis pas un lâche, hein, frère. Moi, je suis pas un lâche. Toi, tu es un lâche. Tu ne vaux rien. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Non, Magola, il a trop embrouillé les gens sur la toile. Il faut qu'on lui montre que c'est pas lui seul qui a bouche. Il a trop embrouillé les gens sur la toile. Il faut qu'on lui montre que c'est pas lui seul qui a bouche. Voilà. C'est pas lui seul qui parle. C'est pas toi seul que ta maman a accouché. Nous sommes, les autres sont les enfants de leur mère. Les autres ont de la famille. Ils ont des frères. Toi, tu es comme un peu de balba. Oh non, ce que tu dis là, le jour que tu peux dire ça devant moi. Tu sais même pas à qui. Les gens ne savent même pas à qui ils sont en train de parler. Il y a un prophète même qu'on appelle Kakou Philippe. C'est ça, non? Il y a un prophète qui dit qu'il est Dieu là. Voilà. Il a dit que lui, à ce moment, on était en 2016. Je prêchais sur Internet, je prêchais. Il m'a lancé le défi. Il dit, tu fais vidéo sur moi encore. 2018, 2017, tu ne vas pas te trouver. Tu vas mourir. Je l'ai pris pendant un an. Lui-même, il ne croit pas. Je l'ai pris comme ça sur la toile. Frappé dans tous les sens. Lui qui dit qu'il est Dieu là. Voilà, moi j'ai toujours envie. Même spirituellement, tu sais pas à qui tu parles. Faut te renseigner. Faut demander Philippe Gbagbo. Il me connaît. Philippe Gbagbo, il est vivant. Faut lui demander qui est Herman. Mais faut dire plus que vainqueur. Puis c'est comme ça les gens m'appelaient. Ou shérif de la vérité. C'est comme ça on m'appelait avant. Donc spirituellement, encore, tu peux pas tenir. Tu me connais même pas. Tu me connais même pas. Si tu connais combien de fois il y a les gens qui prennent mon nom pour mettre la canarie, pour faire des incantations, il n'y a pas dit certaines choses ici. Même dans ma famille, les gens sont venus me dire que telle personne a fait se basser, telle personne a fait tant, telle personne a fait tant. J'ai dit laissez-les, ils ne peuvent rien. Voilà moi. Je ne connais même pas l'hôpital.
Depuis le 6 mai, je ne suis pas encore allé à l'hôpital. Toi, tu prends photo, tu es à l'hôpital, il y a fil dans partout, oreilles, des yeux, partout, il y a fil, partout. Tu as pris, tu as mis sur la toile. Tu vois, tu sais, vous ne savez pas à qui vous parlez. Tu as déjà entendu parler de Zredji ou de Baye. Et que tu connais ces noms-là, comme tu dis, tu es plus ivoirien que tout le monde là. Tu connais ce qu'on appelle Zredji et puis Baye. Ça, c'est spirituellement païennement encore, tu ne peux pas. Spirituellement, même dans l'affaire de Jésus que tu aimes dire tous les jours là, tu ne peux pas encore. Dans Colo Colo encore, tu ne peux pas. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vaux à tout. Moi, seulement, je suis ton doyen partout. Tu es âgé que moi, c'est tout. Qui te dit ça? Qui ne te connaît pas? Tu es âgé que moi, c'est tout. Sinon, toi, tu me dépasses en quoi? Tu me dépasses dans quel niveau code? Et puis, regardez, il parle comme un enfant. Toi, tu veux marier femme blanche. Toi, tu veux marier femme blanche. Moi, femme a fait même tatouage sur moi. Tatouage de mon nom. J'ai regardé. Jusqu'à présent, je regrette. Vraiment, je n'aime pas les tatouages. Et c'est que c'est un péché. Je peux te montrer, hein, ça y est là, ça y est dans les archives. Ça y est dans mon Snapchat. Puisque la fille, elle m'envoie par Snapchat. Je peux rentrer et puis te montrer. Elle a mis quoi? Herman. Et puis elle a mis cœur. Et elle est vivante. Et j'ai faute. Il y a plein de photos avec elle. Si elle voulait la grêle, là, il est grêle à longtemps. C'est à cause de ma foi. Moi, il ne grêle pas la fin des gens. Sinon, moi, j'ai marché à plus de. Combien même? Quand il était à l'autre côté, c'était 3, non? 3. Maintenant, ici, André. Ici, là. 4. Ça fait 7 femmes blanches, 7 filles blanches que moi j'ai déjà appuyées. Tu vois, non? Voilà. Mais t'as l'avion, tu dis, toi tu peux marier blanche. Toi tu peux marier blanche. On peut parler comme ça là. Blanche là, c'est les êtres humains. Femme, c'est femme. C'est colo-colo, tu la parles, tu parles, tu lui parles, tu la dragues. C'est tout, il y a la différence. Mais voilà quelqu'un, il pense que quand elle va. Voilà quelqu'un même qui est inférieur de. Comment on dit ça là? Inférieur de quoi là? Oh, comment on dit ça? Complexe d'infériorité. Il dit, t'as même marié blanche. Ah, donc comme elle est blanche, elle est plus femme que les autres, quoi. Mais elle, la femme noire que tu as embrassée, puis elle fumait, là. La femme qui a cuit, que tu as embrassée à Paris, puis elle attend de fumer, là. Pourquoi tu l'embrassais? Puisqu'elle est noire. Que tu peux marier femme blanche. Tu sais pas que les femmes blanches, là, même ta femme, là, elle est derrière toi parce que tu es un noir. Les femmes blanches, elles aiment les nains noirs. Tu sais pas ça? Elles se disent que nous, on est pimpants. Attends, maintenant, même là, il paraît que c'est tout le monde. Tu n'as pas vu en Côte d'Ivoire, ils ont interdit à toter tellement c'est gâté sur les noix là-bas. Actuellement, là, les nains ne tiennent plus, on mange mal. Toutes les nourritures sont, il y a des produits chimiques. Tout est déformé sur nous. N'importe quoi. Moi, je t'attends, hein. Il est presque l'heure. Moi, j'ai commencé à transiter par là-bas pour avoir parking dans mon coin, là, c'est pas facile. Là-bas, la parking, là, c'est un peu bizarre. Voilà, donc moi, j'ai transité. Je m'en vais vers mon coin. Je suis toujours à l'université, mais je vais mon coin là-bas. Parce là-bas, souvent, il ne faut pas qu'il n'ait pas à faire. Donc, Johnny, il faut laisser ça. À tous les niveaux, c'est pas ton ami. Voilà. C'est tout. Tu peux pas faire clash hein, moi-même. Et puis, moi-même, où je suis là? Tu vois comment il m'habille, non? C'est-à-dire, je vis à l'âge, je m'en fous. Qu'est-ce que c'est ça? Vous, là, vous regardez les petits détails. Moi, quand il me lève, là, c'est qu'il prend, il porte et il m'en va. Je me coiffe même pas bien. Je ne m'aime même pas les drogues. Tu vois, il n'y a rien. À ton moment là, c'est caleçon seulement qui est en bas de ses habits là. Jean et puis ça là. C'est caleçon. Même poitrine, il n'y a rien. Voilà. Je m'en fous même de ce que. Pour le moment là, je m'en fous. Sinon, je peux acheter habits. Voilà. En tout cas, ta Mercedes que tu as montré là. Ma voiture est plus chère que ça. Ça, seulement là, tout le monde le sait. Et puis, je peux acheter joli que ça encore. Mais on a d'autres chats à fouetter. Moi, je ne suis pas venu ici pour me faire voir sur Internet. Hein? Ah oui, si moi, ici, Richard, j'aide ma famille. Parce que j'ai souffert dans ma vie et connais la souffrance. Donc, actuellement, là, si moi, elle est là, c'est pour aider ma famille. Hein? Voilà. Moi, je ne suis pas dans tes bêtises, là. Voilà. Quand tu peux acheter voiture, cela. Tu peux faire ça, là. Tu peux faire ça, là. C'est vous qui vivez par les vues. Moi, je m'en fous des vues de quelqu'un. Aïe. Même moi, même souvent, même, quand il dit, ah, monsieur, habillé comment, là. Souvent, même, ça me surprend. Il dit, mais il est cassé couleur. Tellement ça m'intéresse pas. Faut rentrer. Go. Ah, ma vie est teintée, il me voit pas. Où. Ma vie est teintée, il me voit pas, il fait signe. Non, faut laisser ça, Johnny. Faut laisser ça. Tu as fui le clash. Pardon. Tout le monde t'attend, faut venir. Viens, je t'attends. Viens. Qui connaît le clan des petits là? Il y a longtemps, il n'a pas vu ça, hein? Qui a connu ça?
il y a un truc là, le gars fait quoi? On dit c'est un Saint-Panger. Qui connaît ça même? Ça fait des années, je ne vois plus ça sur la toile. Qui connaît ça même? Il y a un Saint-Panger, il fait quoi? Viens, 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 viens. Viens, Johnny, viens. Ah, quand même, c'est Johnny Pacheco. Adama. Tu vas me laisser quoi? Il y a des bombes ou un cadeau à sens unique. Johnny. La fille est jolie, hein. J'ai une vraie femme noire. À cause des dramas, maintenant, il ne drape plus femme noire aux États-Unis. Hein? Parce qu'on peut me tendre un piège même. Yeah, 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 yeah. On peut me tendre un piège. Donc, à cause des dramas, Ouattara, il drape. Tout ce qui est noir, là, il ne drape pas. Il ne drape pas même. Allons, tanti. Mais il fait quoi? Allons. Oh. Yeah, elle est jolie, hein. How are you, pretty? Do you need a ride? Okay. You have nice one, okay? Elle a refusé, hein? Elle a refusé. Elle est jolie, hein? Elle est jolie. Moi, j'aime parler aux jolies femmes. Elle est très belle. Mais son malin. Elle ne me regarde même pas dans les yeux. Il a salué, mais elle ne me regarde même pas dans les yeux. Johnny, tu vois, on m'a foutu sur moi. Elle a parlé à moi, hein, sans me regarder. Et les filles, quand tu vas voir comme ça, là, c'est les rappeurs là, qui mangent ça. Les rappeurs, là, c'est eux qui mangent ça même. Bon, chers camarades, il est 28, ok, c'est à 45. Oh, j'ai encore le temps même. Ah, ici, à soleil. Oui, il y a la chance, hein. Personne n'a pris mon parking, là. Ouais, il y a la chance. Oui, ouais, il y a Johnny. Moi, il y a la chance. T'as vu, toi, t'es bailli, Luc. Moi, je suis Luc. Je suis Luc. Je suis, il y a la chance. T'as vu? Il n'y a pas parking partout. Hein. Oui, je suis sorti, là, je reviens, c'est vide. À la même place où j'étais, là. C'est vide. Tu vois, j'ai la chance encore pour mettre dessus. Toi, tu es bailli. Ton papa s'appelle bailli, Luc. Adama, on peut faire ça. Vaurien, là. Moi, ma voiture, là, ma plaque est personnalisée. Regarde, il va te montrer la lettre H sur la plaque de ma voiture, devant, derrière. Comme tu connais Herman, là, il a laissé le reste, là. Il va te montrer la lettre H sur ma voiture. Et puis, la couleur de ma plaque, là, elle est différente des autres couleurs. Tu as vu, là encore, là, il te dépasse encore. Toi, ta voiture, là, c'est pas plaque personnalisée. Moi, c'est les initiales de mon nom. Ma voiture, c'est les initiales de mon nom. Ça dit la plaque, là. J'ai commandé ça, et puis on m'a envoyé. C'est pas plaque qu'on m'a donné à DMV. C'est quoi on m'a donné, là? Ça y est, derrière, ici. Si tu veux, peux te montrer. Je vais te montrer l'ancienne plaque, pour te montrer que c'est mon pas. Tu vois, là encore, il te dépasse. Tu n'as pas plaque personnalisée. Oh, Johnny. Johnny. Oh, attendez, je vais mettre ma main. Faut pas voir les hostilités. Et je suis très prudent. Johnny, tu n'as pas plaque personnalisée. Voilà, regarde Pune là. Il c'est sale, hein. Regarde Pune là. Ton gars Pune est balèze, non? Regarde Pune. Voilà. Regarde ici. Ultra Motorsport. C'est du fer. Maintenant, regarde maintenant. Regarde la plaque. Il va te montrer H seulement, H. Voilà, regarde, H. Et puis regarde en haut, California. Tu vois, California H. Tu vois, California H. Est-ce que tu vois, Johnny Nyene Tcheko? Voilà Herman qui est là. Et California. Mais là, regarde la couleur de ma plaque, et puis regarde la couleur des autres plaques. Voilà la plaque californienne normale, voilà comment ça y est. Tu vois, pour, là, non? Pour moi, elle est noire. Voilà! Johnny! Hey! Double pied de canard! Et à la place de derrière. Il y a été la place de derrière. Voilà. Comme ça, tu vas croire que c'est la vérité de Dieu. Tu ne vaux rien. Il cache un peu, on ne sait jamais. Les gens sont très forts. Voilà. Regarde ici. Tu vois? On est en 2024, hein? Moi aussi dans le futur. Regarde ma plaque. Et puis tout est même couleur. Tout est personnalisé. Tu vois, California. Vite, les vis aussi sont rouées. Il a changé ça après. Johnny, regarde ma plaque. Je suis dans le futur. Voilà. Ma plaque, je suis dans le futur. Tu vois, eux tous là, leur plaque là, c'est 2024. Voilà, viens te montrer. Par exemple, regarde lui là. Tu vois, non? 2024. Voilà. Pour moi,
Pour moi, c'est 2025. Je suis dans le futur. Oh, Julien me tue. Tu vois, non? Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. On a 2024, mais je suis dans le futur. Oh, attends, il y a la police qui patrouille là. Bah, ils me connaissent, donc ils n'ont rien dit. Quand ils parlaient là, vous avez entendu Tolki Walki, non? C'était la police. Ils sont en train de patrouiller dans l'amphi. Donc, ils m'ont vu en train de faire le truc, mais ils savent que c'est ma voiture, donc ils m'ont rien dit. Voilà. Sinon, je les ai vus passer. Et généralement, quand tu les vois, il faut les ignorer. C'est quand tu les regardes et puis tu fais comme ça là, là, ils vont venir me t'interroger. Sinon, quand tu les ignores, eux, ils passent. C'est comme ça. Donc, Johnny, tu as compris, non? Voilà! Ta plaque n'est pas personnalisée. Johnny, ta plaque là-bas. Oh, ma voiture est sale, hein? Hey, je suis sorti, j'ai vu ma mère. Qui c'est sale, même? Tchè. Attends, je vais faire derrière un peu. Voilà. Bon, chers camarades, merci beaucoup. Il est quand même. Il est 32, oui. Je dois partir. Le temps de m'asseoir dans la salle pour digresser un peu. On s'est amusé un peu avec Johnny. C'est tout ce qu'il a fait là, c'est amusement. Hein. Ne tenez pas compte de ça. C'est amusement. Voilà, c'est même pas. C'est rien même. C'est amusement. C'est juste pour m'amuser. Donc, je vais rentrer. Voilà, je vais rentrer. Merci beaucoup. Je n'ai pas fait le direct en marchant parce qu'on peut voir les noms. Hein, le nom de l'université. Sur les pas, il y a des pancartes, il y a des choses là, on peut voir le nom. Comme je suis traqué là, je suis traqué, chers camarades, donc je vais vous laisser. Voilà, je vais vous laisser. Mm-hmm. Comme ça, ça y est. Un jour, je suis parti même acheter. Voilà, tu vois lui là, non, c'est personnalisé. Tu as vu lui là? Voilà, lui là, il a une 4x4. Son truc est personnalisé. Faut regarder, c'est personnalisé. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On est 1-1, nous qui avons ça. Les plats personnalisés. Tu payes $50 de plus que les autres. Tu vois? Mais j'aime quelque chose. Et c'est ça aussi la fierté. Je suis fier du nom de mon père, de mes initiales. Je paye $50 de plus que les autres pour avoir la plaque personnalisée. Tu comprends un peu, non? Voilà! Donc, ta Mercedes vilaine là, faut faire ça en personnalisé. Faut faire comme les Gaumont. Pour moi, là, c'est noir. Et puis, les écritures sont en jaune, comme Gaumont. Faut faire pour toi, là, comme ça, on va quitter ici. Mais et le bac, là, tu n'as pas donné. Mais et les 50 pompes. Ploco placabeur. Il a fui le clash. Tu vois? Tu as fui le clash, Johnny. Tu as fui le clash, hein? Moi, je mets à l'école, hein? Ah oui, je mets à l'école. Voilà, Johnny, viens te démontrer que je suis dans master. Viens. Voilà, ça, là, on nous a donné ça ce matin, là. Notre professeur nous a donné ça. Voilà, il a te montré. Elle nous a donné. Elle m'a donné. Bon, on était quatre. Elle nous a donné, nous quatre. Il a te montré que je suis dans master. Comment il a caché le nom de l'école là-même? Il a caché le nom de l'école là. Voilà. Viens, il a te montré que je suis dans master. Viens voir. Viens ici. Johnny Nyerecheko. Tu n'as pas bac. Tu as vu ça là, non? Il cache un peu le nom là, hein, de l'école. De l'université, pardon. Tu vois, non? Voilà. C'est notre professeur qui nous a donné ça parce qu'elle enseigne là-bas. Moi, je ne suis pas dans accounting, accounting, mais accounting. Là, c'est les gens qui font les trésoreries là. Moi, je fais business. Mais elle nous a donné ça. Tu as vu maintenant, non? Voilà. Hein? Voilà le truc ici encore. Regarde ici. Tu vois, non? Voilà. Et ça, c'est les certificats, mais c'est dans l'université. Tu vois, non? Cal State. Faut regarder Cal State. Ça veut dire California State University. Tu vois Cal State là? Voilà. C'est université, mais ils font certificat. Tu as compris ou pas? C'est université, mais ils font certificat. Non, ça veut dire que toi, tu es en train de framponner le certificat et puis tu es en train de nous fatiguer les oreilles. C'est certificat? 12 mois. Un an de certificat. Ils sont venus partager les choses. Aux gens qui sont dans qui sont dans master, on nous a partagé les petits cahiers. On m'a donné pour moi, voilà ça. Voilà ça ici. Où est pour toi? Si tu n'es pas en master, on ne peut pas te donner quelque chose de master puisque tu n'es pas là-bas. Si tu étais dans l'autre, si tu faisais certificat. Comment les gens vont venir nous donner, ils vont venir nous parler de leur filière, ce que leur université offre, et puis ils vont nous donner des documents où c'est écrit master. Tu n'as pas vu master ici là? C'est écrit master. C'est parce qu'on est dedans. Donc ils viennent, ils cherchent les gens qui vont transiter dans leurs universités pour aller continuer. Tu as compris ou pas? Ploco placable.
Non, c'est bon, il me fait pitié. Il y a longtemps, on m'a dit que de le laisser, mais il y a le framponné un peu pour voir. Voilà. Donc, Johnny, on apprend, non? Hein, chaque camarade, on apprend, merci beaucoup. C'était juste amusement, il n'y a rien de grave, c'est juste amusement. Portez-vous bien, que Dieu bénisse tellement le patriote. À bientôt.